site de l'équipe qui en 1991 avait fait le fameux colloque de Bureau Zirek, et que depuis bien longtemps aussi il est comme nous impliqué dans ces questions du numérique en éducation. Et donc nous l'avons invité à intervenir parce que la particularité de son travail, c'est effectivement d'être extrêmement en proximité de deux publics qui sont d'un côté des établissements scolaires dans lesquels il passe très souvent, autour en particulier des questions de projet, mais aussi des jeunes enseignants, puisqu'il s'occupe aussi de la formation initiale des maîtres sur la région, et que donc il a un double regard qui va sûrement nous interroger et ouvrir des pistes de réflexion complémentaires. Michel, je te laisse la parole. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci de venir le samedi. Merci aussi pour moi, d'ailleurs. Mais très simple, terminer une semaine active en étant encore solide au poste. Désolé du tout petit retard, mais la carte graphique de mon ordinateur vient de prendre là dans un instant. Donc voilà, petite adaptation, je crois que c'est dans la société du numérique l'adaptation, si j'ai bien compris. Alors j'ai pas pu participer à vos premières étapes. J'arrive donc ce matin, j'allais presque dire en parenthèse, quoi, entre des chefs d'établissement qui vont me suivre et parler de l'établissement, et puis, entre guillemets, l'universitaire qui m'a précédé et qui a eu un propos relativement sophistiqué. Le titre de l'intervention, parce que je l'ai modifié plusieurs fois, je pense qu'il a même été modifié plusieurs fois sur les documents qui avaient été envoyés aux différents participants, voudrait directement interroger les pratiques des établissements scolaires, c'est-à-dire je ne m'appuierai pas sur d'abord un discours théorique dont il s'agirait de l'appliquer pour mettre en œuvre des évolutions dans le monde scolaire. Je partirai des réalités, ou tout du moins de la manière dont on peut en parler. Vous savez que, bon, comme disait le père Manet ce matin, entre les modèles et la manière d'en parler et les réalités, il y a évidemment toujours des différences. Pour pouvoir expliquer, travailler, témoigner, je ne sais plus quel terme il faut utiliser, sur le lien qu'il y aurait entre le numérique, mais surtout le numérique à l'école et le projet de l'établissement. Et pour ce faire, ben, j'ai pris une toute petite étude de cas. Enfin, toute petite, je dirais, dans le sens où elle est réductrice par rapport au grand nombre d'applications du numérique dans les établissements scolaires, à savoir ce que certains auteurs appellent, thème qui ne me plaît pas trop, mais c'est comme ça, la gestion informatisée de l'évaluation des élèves. Dit encore plus rapidement, la gestion des notes, et dit encore plus rapidement, les logiciels de gestion de notes. Alors, vous allez me dire, c'est un regard, quand on voit la sophistication du numérique, très étroit. Mais quand on voit l'activité déployée dans les établissements scolaires, surtout du second degré, autour de cette activité, on ne peut pas dire qu'elle soit réduite. Elle n'aurait que peu d'importance, puisqu'il n'y a aucun travaux là-dessus, pour les chercheurs, pour les spécialistes, mais elle occupe quasiment l'ensemble de l'espace, j'ose pas dire quotidien, pour les professionnels de l'enseignement, qui sont en particulier les enseignants. Alors derrière ça, il y a sans doute un tout petit mystère, ou en tous les cas, si ce n'est pas un mystère, c'est des interrogations très fortes. En toile de fond de cela, mais je ne l'attaquerai pas comme ça, même si j'en parle un peu, il y aurait quelque part, théoriquement parlant, le questionnement sur la différence entre une innovation technologique, c'est-à-dire l'arrivée d'un outil nouveau, et une innovation sociale, c'est-à-dire l'utilisation de cet outil nouveau dans un milieu professionnel particulier. Je ne sais pas si mon message est là très clair, mais il est bien évident que dans le monde scolaire, nous ne pouvons pas imaginer que toute innovation technologique puisse être introduite sans en identifier, je dirais, les dimensions sociales, puis d'autres natures, parce que dans un milieu donné comme celui de l'éducation,
Introduire un logiciel de calcul de notes, c'est pas simplement introduire un logiciel de calcul de notes. Enfin, je sais pas si... D'accord. Et peut-être que malheureusement, dans ce domaine-là, les spécialistes de l'informatique ont fait, je ne sais pas si c'est quelques erreurs, mais en tous les cas, ont produit des outils qui ont comme conséquence actuelle de faire perdurer des pratiques anciennes et de complexifier les évolutions qui pourtant semblaient, à un moment donné, proches. Mon discours sera rapide, un peu à l'emporte-pièce peut-être. Je veux dire beaucoup de choses, j'en dirai beaucoup moins. Donc il sera parcellaire. D'accord ? Je terminerai par des points extrêmement optimistes, même si tout le long, les choses se dégradent un tout petit peu. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance, tiens, confiance, peut-être finalement la clé de l'évaluation. Mais laissons planer cette posture, cette attitude, cette finalité. Je ne sais plus ce qu'il faut dire, mais en tous les cas, sans doute, cette caractéristique de progrès de notre système. Voilà un peu la... Alors, je vais faire comme mon collègue, je vais garder du temps pour les questions. Hein. Puis vous savez comment on le fait chaque fois. Hein. J'espère que... Et je vais surtout garder du temps pour les collègues qui suivent. Petites excuses auprès de ceux qui sont loin, s'ils n'y voient pas très clair. Là, c'est visible, mais il y aura peut-être à des moments des densités de textes qui amèneront à rendre la lecture un peu plus... Voilà. Comme on ne sait jamais tout à fait dans quel espace on intervient. Bon, si je vous vois vous avancer, ça ne me gênera pas. Hein. Et en tout cas, ça ne me dérangera pas. Ma diapo, je l'ai intitulée, après réflexion, « Volet numérique du projet établissement » et non pas « Projet numérique de l'établissement ». J'ai beaucoup réfléchi sur ça. Bon, vous allez me dire qu'il est un peu tordu à des moments. Il m'a semblé que chaque fois que l'on parlait de projet, projet numérique, projet documentaire, projet pastoral, on séparait a priori le domaine en question de l'ensemble des pratiques. Donc j'ai fait le choix de parler de volet numérique pour dire que l'entrée n'était pas numérique, mais que l'entrée était le questionnement sur les pratiques de l'établissement, dont évidemment le numérique. Vous allez me dire, c'est peut-être un peu tordu, mais je pense que c'est assez fondamental. Alors je suis reparti d'un peu loin, et en même temps, ça va me permettre de vous parler un peu de mon histoire personnelle, puisqu'on se rencontre ponctuellement ce matin. J'ai repris le rapport Simon, mon Dieu, 1980, qui disait au président de la République, Giscard d'Estaing, voilà ce qu'il faut faire dans l'éducation. Alors, 80, c'est mon démarrage professionnel. 78 enseignants, 81 formateurs. Et du coup, ben voilà, on a vu passer, il y a des collègues ici, hein, puisque quelque part, c'est aussi une histoire commune. On a vu passer un peu tout ça. L'informatique, objet d'éducation. Au départ, Simon disait, il faut à tout prix que tout le monde ait une culture informatique. Alors on a fait le coup, ma foi, de l'option informatique. Certains ont peut-être connu ça. Ça a duré 3-4 ans, puis le ministre a changé, puis ça a disparu. Quoi. Bon. Les collègues de technologie sont, excusez-moi le terme, un peu excités sur le sujet à un moment donné, parce que... lorsqu'ils sont passés de l'EMT à la technologie, ça a été un sujet important. Bon. Puis après, ça a disparu, c'est revenu. Puis il y a maintenant ISN dans la salle, quelqu'un qui est spécialisé ici, Olivier Fauvet, de l'enseignement de cette nouvelle spécialité. Mais faut pas, excusez-moi, je vais dire un gros mot, c'est filmé. Faut pas déconner, on l'a quand même juste gardé pour les élèves scientifiques. On ne sait jamais quoi. Hein. Si les autres en profitaient. Mais il paraît qu'il y a une piste pour que les séries littéraires, économiques et les autres en profitent. Je ne sais pas comment ils vont faire le programme, parce que le programme actuel est un peu, excusez-moi, un peu raide sur les bords. Quoi. Les usages, B2I. Je m'englue actuellement avec mes collègues sur le C2I2E, dont on ne sait plus bien où il est. L'informatique, moyen d'enseignement. Enseignement assisté par ordinateur. Mon premier ordinateur avec mes élèves, classe de 4e, classe de 3e, enseignement de sciences physiques, prof de sciences physiques, c'était un ordinateur qui avait, pour les spécialistes, vous êtes tous des spécialistes,
7 kilos de mémoire vive. Je sais pas si... Depuis, on a dû passer au méga, puis au giga. Enfin, voilà. Et je faisais simuler par mes élèves la loi des gaz parfaits. On voyait des billes à l'écran qui se tapaient les unes sur les autres. C'était l'époque aussi des jeux de tennis, vous vous rappelez, là. C'est-à-dire que finalement, c'était assez proche, d'ailleurs. Je veux dire. Et du coup, mes élèves étaient extrêmement passionnés par les gaz parfaits. Non, je ne pense pas trop. Hein. Par la manipulation des petites billes sur l'écran. On appelait ça l'EAO. Et déjà, on parlait d'évaluation en disant on va pouvoir poser des questions, l'élève va pouvoir répondre, QCM, etc. Et on va pouvoir adapter le parcours aux élèves. Parcours. Et puis l'ordinateur, outil de gestion pédagogique. Alors ça, c'était une des grandes entrées. En 1980, on citait l'exemple du Japon, de la Corée, de la Finlande, etc., avec des outils de gestion pédagogique pour les élèves assez fantastiques. Mais imaginez à l'époque, ordinateur 7 kilos de mémoire. Voilà. Et n'empêche qu'en 1981, à la demande de ma directrice, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je fais un logiciel de gestion de notes pour mon établissement scolaire. Voilà. Avec une énorme bataille rangée sur combien garde-t-on de chiffres après la virgule. Et je peux vous dire que ça a été sanglant. Très sanglant. 30 ans après, je ne suis pas sûr que les questions fondamentales posées par le rapport Simon, en particulier sur cette question de l'ordinateur outil de gestion pédagogique, aient beaucoup avancé. Je me dis la question. Les solutions, elles, ont avancé. Je ne suis pas sûr qu'elles aient avancé du côté d'une problématisation éducative forte. Ça reste une question assez importante. Gestion informatique des élèves, de l'évaluation, dirait d'autres. J'ai pris les mots du dictionnaire qui me paraît actuellement le meilleur dictionnaire de l'éducation, qui est un dictionnaire canadien dont vous avez la référence au sommet de l'écran. C'est toujours un peu gonflé d'appeler un dictionnaire « dictionnaire actuel ». Parce que dans notre milieu professionnel, dès le lendemain, il devrait subir quelques évolutions. Tout ce domaine-là, on le retrouve dans un document, je pense que tout le monde connaît. Quand on dit en général tout le monde connaît, c'est qu'on est sûr qu'il y en a qui sont passés à travers. Hein, qui est un document fait par le ministère de l'Éducation nationale, qui s'appelle le schéma directeur des espaces numériques de travail, qui à la rubrique C, d'un ABCDEF, hein, quelque chose comme ça, dit « Service des d'accompagnement des activités pédagogiques et des élèves ». Et qui cite 5 applicatifs, cahiers de texte, gestion des activités documentaires, suivi individuel des élèves, visualisation de l'emploi du temps, cahier de liaison et de correspondance. Évidemment là, je dirais, des choses qui sont effectivement à l'heure actuelle rassemblées sous les termes ENT, environnement numérique de travail. Et même si les établissements disent ne pas avoir d'ENT au sens complet du terme, tous les établissements scolaires ont ces applications d'une manière ou d'une autre. Voilà ce que dit la suite du document que je viens de préciser. D'accord ? Il reprend les fonctions de ce fameux C3, suivi individuel des élèves. Les mots ont leur importance. Et sur la colonne de droite, il est fait recommandation ou pas de le mettre en œuvre de manière urgente dans les établissements scolaires. Donc, vous avez la gestion des notes. L'ENT doit permettre l'accès aux usagers, on parle d'usagers hein, dans ce milieu-là, spécifié à la gestion des notes et des bulletins scolaires. On pense essentiellement aux élèves, aux parents, aux autres enseignants, aux professeurs principaux, aux chefs d'établissement. Et l'ENT doit permettre l'accès aux usagers spécifiés à la consultation des notes et des bulletins scolaires. Même chose. Okay. Il y a aussi le suivi des compétences. C'est là qu'on pourra peut-être être optimiste sur l'avenir, même si tous ceux qui sont présents dans cette salle et qui ont tenté l'opération livrée personnelle de compétences du socle commun ont dû, même s'ils ne sont pas aperçus, friser le ridicule. Enfin,
Voilà, c'est-à-dire qu'on a peut-être réussi l'exploit de remplacer 20 notes par 30 compétences, c'est possible, hein, dans une approche dite globale. Enfin, vous voyez, je... hein, voilà. Et puis gestion des absences, où vous voyez effectivement là qu'il y a un point très important, et évidemment d'actualité, qui a fait beaucoup progresser, ce qui veut dire qu'on touche ici évidemment la vie scolaire, qui est une des questions très importantes. 2012, voilà les pourcentages par enquête faite auprès des établissements scolaires de ce qui est mis en œuvre par les établissements scolaires. Probablement que ce pourcentage a progressé depuis, mais je voulais juste faire remarquer ici l'écart entre le suivi des notes et la gestion des compétences, avec toujours les termes délicats de gestion, où on aurait là quand même quelque chose qui nous... questionne un tout petit peu, gestion informatique des élèves, gestion informatique de l'évaluation. Probablement qu'on est encore, mais je ne veux pas rentrer dans le détail, dans les théories de l'évaluation, certains sont encore à l'époque gestionnaire. D'accord, hein, qui est la deuxième époque de l'histoire de l'évaluation, la troisième qui est en train d'émerger, étant plutôt liée au sens et à la signification, pour lesquelles on a quelques difficultés. Voilà un peu l'état du, quelque part, du système. Hein. Désolé de descendre hein, au cœur un petit peu de la vie d'un établissement scolaire. Et d'aller un tout petit peu plus loin avec vous pour tenter de réfléchir à cette question-là. Alors, je me suis interrogé, c'est là le cœur de mon questionnement, quoi. Je me dis, mais... il y a des pratiques sociales, bon, les termes sont toujours un peu connotés, mais tant pis, et il y a des prescriptions et des apports théoriques. Voilà. Et entre les deux, il y a un point d'interrogation. Alors, j'ai d'ailleurs beaucoup cherché la taille du point d'interrogation mais, dans la réalisation de ma diapo. Là, voilà. Alors, je forme des... nouveaux enseignants, pas toujours jeunes. Hein. Pas toujours jeunes, et c'est des fois d'ailleurs une des questions. Je vais beaucoup dans les établissements scolaires, comme d'autres, hein, formateurs du CEPEC, hein, aller aider des équipes à évoluer, entre guillemets, à innover, diraient certains autres. Et puis on s'interroge toujours sur l'écart qu'il y a entre les pratiques sociales et les prescriptions et les théoriques. Même si le mot théorie, vous savez tous, dans l'éducation, il n'y a aucune théorie qui nous dit comment il faudrait qu'on fasse, quoi. C'est-à-dire le lien entre les théories de référence et l'activité quotidienne, ces liens sont un peu lâches, au sens, effectivement, qu'aucune théorie ne dit exactement que si on fait ça, ça va marcher, quoi. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse s'inspirer d'un certain nombre de repères. Alors, pratique sociale. Pratique sociale, ben, du coup, sachant que je venais intervenir devant vous, là, un colloque important un samedi, je me suis dit, et si je faisais une petite enquête ? Et j'ai pris les gens que j'avais sous la main, c'est-à-dire une centaine de professeurs stagiaires. Second degré, désolé pour le premier, mais qui a plus de notes, donc c'est bien, ils sont tranquilles. Hein, d'accord ? Oui, il y a plus de la moitié des établissements scolaires en France du premier degré qui ne mettent plus de notes. C'est un événement qui s'est produit il y a un ou deux ans, qui est, à mon avis, extrêmement symbolique. Pour avoir deux petits-enfants à l'école maternelle, ils ne savent pas. Primaire, pardon, ils ne savent pas ce qu'est une note. J'ai vérifié, ils ne savent pas. Pourtant, je leur ai dit, t'es sûr que tu ne sais pas ? Non. Parce que je me dis, il y en a peut-être une cachée quelque part. Non. Je n'ai pas trouvé, quoi. Pourtant, mes questions étaient insidieuses. Hein. D'accord. Hein. Voilà. Par contre, j'ai un petit-fils au collège, alors lui, pour lui, il sait ce que c'est. Là. Voilà. Alors, une centaine de profs de l'enseignement général seulement, désolé, les collègues d'enseignement professionnel ont aussi beaucoup plus avancé que nous. Puis je leur ai posé un certain nombre de questions. Donc, second degré, 98 enseignants de matière générale. Alors, quand j'ai une centaine, j'ai dû enlever ceux qui avaient répondu de travers. Hein. Bon. Ceux qui ne suivent pas les consignes, vous savez. 90% en collège, 35% en lycée. Bon, si ça dépasse 100%, c'est parce qu'il y en a qui étaient sur les deux, hein, bien sûr. Représentant 553 classes, donc 447 en collège et 106 en lycée. Représentant 70 établissements scolaires,
dont 100% logiciel de notes. On n'aurait pas dit la même chose il y a une dizaine d'années, hein, où il fallait encore former les collègues à rentrer les notes. C'était un exploit. Bon. 3338 notes. Alors j'appelle note une note de classe. Hein, parce qu'il y a un enseignant d'art plastique qui n'a pas compris ma consigne et qui lui comptait toutes les notes qu'il avait rentrées sur ordinateur. Et ça dépassait 3000. Fin décembre. Hein. Fin décembre. Je l'ai senti un peu nerveux quand il a mis le chiffre. Hein. Bon, voilà. Et il m'a dit, vous savez, monsieur Sarroul, je ne peux pas toujours mettre des appréciations adaptées à chacun de mes élèves. J'ai dit, c'est pas bien grave. Il me dit, en plus, je les connais pas bien. Je sais pas. Oui, mais bon, hein, sourions-en, quoi. Mais quelqu'un a parlé de l'école du socle, non ? Il n'y a pas longtemps. Estimation pour un élève, première période, un peu plus de 70 notes. Il n'y avait qu'un établissement sur les 100 qui ne mettait pas des notes en 6e et 5e. Hein, établissement expérimental. Voilà. La saisie des notes, 42% régulièrement. Donc le reste, pas régulièrement. Pour dire qu'il y a bien des réflexions sur les usages. Qui un jour a travaillé le projet d'établissement sur cette question-là du rythme de rentrée des notes par les enseignants, mis à part la pression finale qui est de dire il faut les éditer pour le conseiller, quoi. Pourtant, dans la communication en famille, vous voyez bien que c'est une question relativement intéressante, quoi. Diversité des pratiques enseignantes. Sur les 100, j'ai pris le panel des 17 professeurs de lettres pour avoir une même discipline. En moyenne, ils ont 4 classes. En moyenne, ils mettent 36 notes. D'accord ? Mais il y a de gros écarts, puisque l'écart type sur le nombre de notes est de 17. Même si on ne sait pas bien ce qu'est l'écart type, on sait que plus c'est gros, plus c'est dispersé, quoi. Hein ? Voilà. C'est déjà pas mal. Hein ? Un gros écart type pour nos élèves en termes de notes, c'est il y en a qui ont 0, il y en a qui ont 20, quoi. Hein ? Un écart type nul, tout le monde a la même note, pour dire. Et les situations d'évaluation qui permettent de construire la moyenne par les enseignants. Ce qui m'a beaucoup frappé, mais je le savais. 50% de la moyenne est faite par les interrogations en classe. Mais pour les enseignants, ça va de 20 à 95%. Si vous me suivez toujours. 33% des devoirs surveillés. Mais selon les enseignants, ça va de 0 à 2 tiers. 17% devoirs à la maison. Mais ça va de 0 à 25%. Heureusement que les parents ne nous demandent pas comment la note est construite. Vous savez que la problématique actuelle la plus intéressante sur les notes, c'est probablement la manière dont elles sont fabriquées. Deuxième problématique intéressante dans l'établissement scolaire, la fabrication de la note. Diversité des pratiques d'établissement maintenant à travers ce que j'ai dit ici. 90% ont des moyennes générales. Pourquoi pas ? Même si aucun texte ne dit qu'il en faut dans tout le collège et en seconde. Et que l'inspection générale déconseille qu'il y en ait. Mais on ne peut quand même pas traiter les mathématiques comme l'éducation musicale. Enfin, faut être sérieux, quoi. Hein ? 60% ont des classements. Un tiers seulement fonctionne par trimestre. Le reste par période. Ce qui pose question sur l'interprétation après, par exemple en classe de seconde, quand on demande des bulletins de trimestre et qu'on donne des bulletins de... et réciproquement. La moitié des établissements, il y avait beaucoup plus de collèges, mettent des coefficients. Alors là, pour le coup, aucun texte n'y a jamais fait référence. C'est une activité importante des enseignants. Et je peux vous dire qu'il m'arrive fréquemment de voir des enseignants venant en formation devant moi corriger leurs copies.
et l'autre jour j'en avais 60, si j'enlève ceux qui se cachent derrière leur écran en plus ceux qui corrigent leur copie, je me dis des fois il doit bien t'en rester un bon pourcentage. Voilà. J'ai demandé à mes, au CPEC, j'ai demandé qu'on mette des rétroviseurs. Ça va être une question clé. Alors, je plaisante évidemment, mais samedi matin, excusez-moi, hein, c'est fatigue de la semaine. Activité. Ah, l'adresse n'est pas valide, c'est normal. Sur mon ordinateur, elle faisait référence à un de mes documents que je n'ai pas eu le temps de transférer. Désolé. En fait, il y a un rapport qui vient d'être fait sur l'activité des enseignants par l'inspection générale. Et dans le second degré, les enseignants passent 5h30 de leur activité à corriger des copies par semaine. Voilà. Pour des enseignants qui font en moyenne 40 heures de travail par semaine, dont 18 heures d'intervention devant élèves, les 22 heures restantes étant pour un quart constituées de la correction des copies. Ce qui est une activité qui est, pour beaucoup d'enseignants, relativement lourde. Et là aussi, c'est une moyenne, parce qu'on sait, par exemple, que peut-être certains vont rentrer chez eux ici, et puis pour lundi, ils vont se dire « je suis un peu en retard, quoi. Ouais, je suis un peu en retard. » Et, désolé si c'est un petit peu bas, quand j'ai demandé aux étudiants, là, stagiaires, hein, quels étaient les avantages et inconvénients, aucun ne m'a parlé finalité. Ils m'ont tous quasiment parlé modalité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et du coup, voilà ce qu'ils m'ont dit. Avantage. Rapidité, précision, clarté, régularité, visibilité, lisibilité, fréquence, fluidité, etc. Bon. Amélioration de la communication. Accessibilité aux notes, élèves, etc. Meilleur suivi de l'évaluation de la progression par les élèves et les parents. Amélioration technique. Calcul automatique des moyennes et des classements, possibilité d'analyse statistique, présentation claire, à condition que, entrée des notes régulières, qu'il y ait un délai avant que les parents puissent consulter les notes, qu'ils ne les voient pas avant leurs élèves, leurs enfants, pour quand même maintenir une confiance entre parents et élèves et peut-être entre élèves et profs. Problématique essentielle de l'évaluation dans le monde scolaire. Facilité de saisie, être sûr que les parents ont accès aux notes. Plus pratique que le papier, même si on en a besoin. Alors, quelques commentaires dont certains m'ont surpris. Les parents n'ignorent plus les résultats de leurs enfants. Permet de connaître les notes avant d'avoir vu les copies. Pour les parents, vérification possible des résultats des enfants. J'ai tout mis comme c'était. Hein. Les parents voient les notes, les élèves ne peuvent plus cacher. Les parents peuvent voir les notes. Même si l'élève cache sa copie, c'est la version hard de la précédente. De l'autre côté, augmentation de la dépendance aux notes, dimension anxiogène, place des conseils et des recommandations, des appréciations, de l'apprentissage, difficulté d'évaluer sans notes face à la pression du système, relation élève-famille, élimine toute spontanéité de l'élève envers ses parents ou parents trop impliqués, pression liée à la consultation régulière. Quelqu'un m'a dit qu'ils avaient dû faire les statistiques. Certains parents y allaient voir plus de 5 fois par jour. Irrégulière pour d'autres, parce que finalement, ceux qui vont voir, c'est déjà pas mal, mais ceux qui vont jamais voir, c'est un problème. Illusion, intéressant, que les parents s'intéressent à la scolarité de leurs enfants, mais la note plus importante que la production de l'élève. Limite, classement limité aux notes et non aux compétences. Beaucoup de travail pour l'enseignant. Pas de commentaires, tous les élèves n'ont pas internet ou ordinateur, problème de régularité, ergonomie, problème technique, limitation des signes, puisque dans les appréciations, on est en général un peu limité. Voilà. Voilà l'état du système. Alors parmi tous ces gens-là, il y en avait quoi, un tout petit 10% qui disaient « mais je complète par une évaluation des compétences ». Mais ce n'était pas la majorité de loin. Donc, disons-le, dans la pratique quotidienne, omniprésence de la notation, il ne faut pas se cacher, quoi. Hein. Et ça reste une des activités majeures du système éducatif. Et du coup, on a quand même d'assez grandes questions. De l'autre côté, les prescriptions. Alors, je vais vous les mettre sous forme de quelques petits textes rapides. Ce n'est pas toutes les prescriptions de la Terre, hein, mais quand même quelques points de repère. Il y a un nouveau référentiel du métier d'enseignant, 25 juillet 2013. J'en ai pris que 2 extraits. La compétence 6 commune à tous les éducateurs et enseignants.
Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques. Vous vous rappelez, il y avait déjà cette formulation dans l'ancien référentiel. Avec en particulier, respecter la confidentialité des informations individuelles concernant les élèves et leurs familles. Éviter toute forme de dévalorisation à l'égard des élèves, des parents, etc. Bon, peut-être que ça questionne l'évaluation. Et puis, quelque chose qui est assez flagrant, dans l'ancien référentiel de compétences, il a été écrit « évaluer les élèves ». Dans le nouveau, il y a écrit « évaluer les progrès et les acquisitions ». Là, je peux vous dire que vous pouvez prendre d'un côté l'un, de l'autre côté, et puis dans vos projets d'établissement, dire comment on pourrait faire basculer de l'un vers l'autre. Voilà un bon outil, d'ailleurs, de mise au travail. Ça frappe beaucoup les jeunes enseignants actuellement. Dans cette rubrique-là, personne ne parle de notes, personne ne parle d'appréciation. Et les compétences des enseignants font référence à, en situation d'apprentissage, repérer les difficultés, construire des outils pour les besoins, former à l'auto-évaluation, analyser les réussites, les erreurs, communiquer les résultats attendus, inscrire l'évaluation des progrès dans une perspective de réussite du projet d'orientation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire là, mais pour le coup, ce référentiel, il est ce vers quoi on pourrait tendre, mais en tous les cas, il n'est pas la réalité. Hein. D'accord ? Premier élément. Deuxième élément, projet de loi d'orientation 2013, dossier de presse. Alors, si le dossier de presse est passé à l'as, maintenant, on ne sait plus où on est. Hein. Les modalités de notation des élèves doivent évoluer pour éviter une notation sanctionnant faible valeur pédagogique, etc., etc. Il faut aussi remédier à la difficulté pour les enseignants d'évaluer les élèves avec des dispositifs lourds et peu coordonnés. Je repense pour le socle commun des logiciels du type Sacoche. Certains connaissent peut-être. Sacoche étant le nom de la besace, hein, mais étant caricaturé par les enseignants en disant CCDIA et plus loin, Coche, C-O-C-H-E. Hein, voilà. Hein. Ainsi, l'évolution de modalité passe notamment par une réforme du livret. Deuxième prescription. Inspection générale 2005, ouvrage que je conseille à tout le monde. Les acquis des élèves perdent touche de la valeur de l'école. J'en fais le livre de base de tout stagiaire passant ses concours. Qu'est-ce qu'il y a écrit en plein milieu ? Proscrire tout calcul de moyenne entre notes à statut différent, afin que le recentrage sur les acquis des élèves soit clair à l'ensemble des acteurs. Substituer aux différents bulletins, etc., etc. Vous lisez aussi bien que moi cette affaire-là. Et enfin, parce qu'on est dans notre institution, Claude Berruet, cap sur l'évaluation. Alors là, pour le coup, le titre est fantastique. L'évaluation est un acte de relation et d'estime. Nous ne redirons jamais assez qu'évaluer, c'est donner de la valeur, avant de pointer des manques, des lacunes. S'il est bien légitime à l'école de poser des exigences, ça n'a de sens qu'a priori bienveillant, etc., etc. Pour le coup, si je reviens à mon affaire, eh bien, j'ai plutôt d'un côté, je force le trait, vous l'avez compris, mais pas beaucoup quand même, quoi. J'ai plutôt d'un côté ça. Dommage parce que j'ai pas pu transférer le. J'ai une liste de 5000 appréciations scolaires que j'ai dépersonnalisées d'un même établissement scolaire. Donc l'ascenseur descend très doucement sur la droite. Hein. Et vous avez des pages entières de bons trimestres, de démarre pas bien, enfin, voilà. Ce qui est normal puisque. C'est un peu flippant quand je le montre à mes stagiaires. Et il me dit, monsieur Sarraud, on ne peut pas faire autrement, puisqu'il n'y a pas beaucoup de place, et puis il faut qu'on en rentre beaucoup. Et puis de l'autre côté, il y a évaluation et apprentissage. Il y a psychologie et évaluation. Je ne rentre pas dans le détail, je n'ai pas le temps, parce que je suis trop bavard. Et voilà. Hein. C'est-à-dire, oui, la note a des effets, oui, bien sûr, sur l'estime de soi. Tout le monde le dit. Hein. Et même peut-être que c'est aussi une question pour l'enseignant de pouvoir... Bon, à psychanalyser, hein. Je m'excuse de dire ça spontanément. Quoi. Et puis la fameuse docimologie qui dit qu'une note, c'est un peu compliqué à interpréter. Quoi. C'est-à-dire que si je n'ai pas l'épreuve, la production de l'élève et la note, ça n'a aucun sens. Sinon, peut-être que l'élève a eu une meilleure production que son voisin qui a eu une moins bonne note. Mais je ne peux même pas dire qu'il a de meilleurs acquis. Toujours, j'étais avec un jeune stagiaire, là, qui me montrait deux copies de mathématiques de 4e, excellentes par ailleurs. L'une avait 19, l'autre avait 14.
Et c'est vrai que celle qui avait 19, il n'y avait pas photo, c'était nickel, ça va être une fille d'ailleurs, hein, c'était écrit. Hein. Et celle qui avait 14, c'était un peu plus délicat. Okay. D'accord. Pas de stéréotype, on m'a dit, c'est pour ça que... Hein. Et puis, quand je lui ai posé la question, il est un peu tombé dans le panneau, je lui ai dit, mais si tu avais à cocher les acquis de tes élèves, qu'est-ce que tu ferais? Et il n'a pas vu venir, quoi. Il m'a dit, oh ben les deux ont les mêmes acquis. Alors là, il s'est vite arrêté, là, il m'a dit, bon, finalement... Finalement, non, il y en a quand même un qui était un peu plus hésitant. Il a fait mal. On est vraiment dans cette difficulté fondamentale. Alors, puisque le temps passe, si je voulais, parce que vous avez bien vu que je ne faisais que prendre un exemple là, dans le domaine de la gestion des élèves, entre guillemets, mais qui repose la question de tous ces outils-là. Mais vous avez compris quand même que celui de l'évaluation, par rapport au titre du colloque, là, bon, est quand même plutôt pas mal choisi. Hein, je veux pas me... voilà. Titre du colloque, construire l'élève, la personne d'un sujet numérique. J'avoue que j'aurais précisé aide à la construction par l'élève d'eux. Hein. Voilà, bon, parce que j'ai du mal à comprendre qu'on puisse construire un élève. Voilà. Je suis, moi, on écrit avec des petits ouvrages avec nos collègues et tout ça. Par exemple, on aime bien écrire, former les élèves à s'orienter, plutôt qu'orienter les élèves. Vous voyez ce que, il me semble que là, il y a quelque chose qui est quand même... On n'a pas tout pouvoir, on va rester modeste, et peut-être que l'élève se construit aussi ailleurs, quoi. Mais on va essayer quand même de faire en sorte. Alors qu'est-ce que ça pose, ces problèmes-là? Mais ça pose quand même les questions de la finalité de l'école, quoi. Quand même. Bon, je voyage beaucoup en TGV. Une des dernières fois où je voyageais, je me retrouve dans un carré, en train de faire mon travail, modestement, puis trois cadres très supérieurs de la même entreprise sont assis à côté de moi, puis ils se mettent à parler de l'école, à parler de leurs enfants à l'école, puisque leurs enfants étaient à la même école. Ils citent l'école, je trouve que c'est une école privée sous contrat, que je connais bien, je leur ai rien dit, hein. Mais, bon, tu disais qu'il y avait des voyeurs partout, j'ai pas pu ne pas écouter ce qu'ils disaient, quoi. Alors, il va aller en sup l'année prochaine, ouais, probablement, quel sup tu vises, je vous cite pas. Bon, moi, c'est pas sûr, peut-être médecine, bon, d'accord, mais ça va, bon, hein, bon. Hein. Donc, et la mention de bac qui s'annonce et tout, oh, probablement bien ou très bien, parce que bon. Hein. Donc voilà, quoi, bon. Et puis après, une fois que c'était tout le monde satisfait de ça, après, une petite discussion. Mais quand même, dans l'établissement en question, là, ils font que noter, quand même. Quoi. Il y a quand même une adoration de la note dans ce lycée qui est quand même un peu excessive. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, là. Quoi. C'est-à-dire, il y a beaucoup de tensions dans notre pays entre la finalité exclusive, élitiste, sociale, etc., et puis la finalité éducative. Et pas facile d'arbitrer si en plus on n'a pas le courage et si en plus on a des pressions sociales fortes. J'étais dans un établissement parisien récemment, ils étaient embêtés parce qu'à la rentrée, il n'y a qu'une élève qui n'avait pas eu le bac et qui redoublait. C'est la première fois que ça m'arrive, ça. D'habitude, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire avec les élèves qui vont rencontrer quelques difficultés? Et là, la directrice, un gros établissement, me dit, tu ne me donnerais pas un conseil pour la seule élève qui redouble et qui est la seule à ne pas avoir eu le bac. Alors, ça devenait un problème psychologique important. C'était vers Versailles, par là-bas. Hein. C'est souvent sur les ouestes des grandes villes que se posent ces questions. Hein. Voilà. Instruire, éduquer, etc. Mais au moins, quand on est en scolarité obligatoire, on n'a pas le droit de ne pas parler du parcours de chacun. Désolé, je livre là mes propres, je dirais, fondamentaux. Projet éducatif et projet d'établissement, même chose, mais relayé au niveau de l'établissement scolaire. Mais les premières questions du numérique, c'est quand même des questions éducatives. Moi, j'ai vécu avec mes collègues qui sont ici, j'ai vécu l'introduction des logiciels de notes dans mon établissement scolaire, j'ai même participé maladroitement au départ parce que je manquais de formation, mais on n'a jamais posé la question éducative, jamais. On a vu les modalités comme des comptables qui allaient nous faciliter la vie. Et elles facilitent la vie, éventuellement. Bien sûr. C'est pas pour rejeter cette dimension-là. Mais je peux pas introduire un logiciel de calcul dans un milieu éducatif comme je l'introduirais dans un milieu où il s'agit de faire de la comptabilité. Je sais pas si je me fais...
Vous allez me dire, je dis des évidences, quoi. Hein ? Mais jamais personne n'a eu à discuter de ce sujet-là. Et parce que peut-être derrière, il y a des attentes sociales et il y a l'image de l'établissement scolaire. On est dans le pétrin en ce moment. Quand on veut supprimer les devoirs surveillés parce qu'on se dit ils ne servent pas à grand-chose. Quand on veut moins donner de travail à la maison parce que le ministre au primaire, il nous dit qu'il ne faut pas en donner. Mais pour beaucoup de familles, ce sont là des signes positifs du sérieux de l'établissement scolaire. Et moi, quand un établissement me dit, est-ce que, à ton avis, on supprime les DS ? Je leur réponds souvent en disant, c'est pas sûr qu'ils servent à quelque chose, mais symboliquement, les supprimer dans un établissement qui les a toujours mis, et qui les a toujours argumentés comme étant des outils de mise au travail des élèves, c'est un risque. Mais peut-être que nous avons trop instrumentalisé nous-mêmes des modalités dont les finalités n'étaient pas aussi simples que ça. J'oppose beaucoup, je tente de mettre en tension modalité et finalité, hein, qui me paraît pour moi une des clés majeures. Questionnement sur les valeurs, hein, c'est la même chose. Pas simple. Mais alors s'il y a un sujet, quand on fait nous des projets d'établissement, qui n'est jamais pris en priorité dans les priorités nécessaires, c'est l'évaluation. Et s'il y a un sujet, dès qu'on l'aborde, qui pose des questions de valeur, et évaluation valeur, vous allez venir, c'est un raccourci élémentaire, c'est l'évaluation. Mais l'évaluation, c'est compliqué. Parce que pour un enseignant, ça relève du rapport aux élèves. Mais ça relève aussi du rapport à l'institution. Et changer de modalité d'évaluation, c'est modifier ses postures. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est donc pas par hasard que c'est un sujet extrêmement délicat. Mais ne pas en causer, parce qu'un outil technologique serait miraculeux sur le sujet, c'est faire une impasse relativement considérable, me semble-t-il. Même chose, priorité éducative. Je me suis autorisé à mettre développement de la responsabilité et de l'autonomie, parce que dans tous les textes officiels depuis une vingtaine d'années, on parle du développement de la formation des élèves à l'auto-évaluation. Et si on se plaint dans notre pays que les élèves sont relativement peu autonomes, je ne serais pas tout à fait d'accord avec Bruno tout à l'heure qui disait que l'université développait... Je me demande si elle n'en rajoute pas des fois des couches. Excuse-moi, hein, Bruno. Mais, hein, okay. Créativité, collaboration, le mot coopération je préfère, hein, pour des raisons au moins historiques, et puis développement de l'autonomie, de la responsabilité, c'est un sujet délicat, hein. Surtout quand il faut le faire pour tous nos élèves, alors que la motivation de certains est un peu délicate, quoi, bien sûr. Et les pratiques, évidemment, au quotidien. Tu as fait référence au conseil de classe tout à l'heure, je n'y reviens pas. C'est dur, ces conseils de classe, à des moments où on est à la fois... Les encouragements, par exemple, on les donne quand c'est presque les félicitations. Ou quand c'est justement loin des félicitations pour encourager. Enfin, j'ai formé un jour 60 délégués dans l'établissement scolaire. J'ai dû aller voir le chef d'établissement parce qu'ils se battaient entre eux en disant « Moi, j'ai déjà pas les félicitations pourvu que j'ai les encouragements. » Et puis l'autre disait « Mais non, on devrait donner des encouragements à ceux qui ont besoin d'encouragement. » Il y avait une fille d'un côté, un garçon de l'autre. Je mens pas, hein. Mais c'est du volet numérique, maintenant, du projet d'établissement, où il y a un certain nombre de questionnements. Je redis toujours la même chose, hein. Désolé. Hein. Éducatif, pédagogique, numérique. Je redis la même chose parce que je suis près de ma synthèse, là. Ben, les gens pensent que dans le milieu scolaire, innover, le numérique, c'est une innovation technologique. C'est pas vrai. C'est une erreur colossale. Une innovation dans nos milieux, c'est pas toujours avec un outil nouveau. C'est avec une pratique nouvelle. Est innovant dans notre milieu ce qui est nouveau pour les acteurs. Parce qu'il est nouveau technologiquement parlant. Je vous rappelle qu'on n'a toujours pas réussi l'introduction du cinéma. Et de la vidéo, toujours pas. J'entendais encore quelqu'un qui en parlait hier, sur la radio scolaire, à un moment donné, certains ont vécu ça dans leur scolarité. Là. On en a vu passer des technologies dont on a dit elles seraient bien pour le monde scolaire. Mais bien sûr qu'elles seraient bien. Mais elles ne peuvent pas être introduites en disant il faut que cette technologie aille modifier le milieu, quoi. Il faut que le milieu se dise cette technologie qui est très intéressante, comment pourrait-elle modifier notre milieu ? Pour que ça ait une valeur ajoutée,
En fait, moi, je dis souvent à mes collègues, pour que le jeu envahisse la chandelle, quoi. Alors, quand on a des TBI partout, quand on a des tablettes partout, peut-être que le jeu en vaut la chandelle. Mais à l'époque où on déplaçait sur un chariot le seul vidéoprojecteur de tout le collège ou de tout le lycée, et que le prof, quand il voulait, il était déjà pris par quelqu'un d'autre, vous voyez bien que je ne pouvais pas modifier ma pratique pour ça. J'interviens un jour avec une inspectrice d'allemand à Clermont-Ferrand qui dit à tous les enseignants qu'elle avait devant elle, « Je vous demande, en sixième, que tous vos élèves aient un portfolio. » On sait un peu ce que c'est, je crois qu'il y avait un atelier là-dessus. Je la connaissais suffisamment pour m'autoriser à l'arrêter. Pour lui dire, Madame l'inspectrice, avec tout le respect que j'ai pour vous, je n'ai pas dit comme ça, mais je vous demande de revenir sur votre prescription. Là. Parce que le problème du portfolio, ce n'est pas l'outil. C'est qu'en face, il y a une pédagogie du portfolio. Et pour qu'en langue, il y ait une pédagogie du portfolio, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut que le prof accepte de s'arrêter un quart d'heure toutes les deux ou trois semaines. Parce qu'ils pensent que l'auto-évaluation est aussi importante que le cours qu'il fait, quoi. Vous voyez ce que... Et ça, pour en prendre la décision quand on est prof, avec la pression des programmes et tout, c'est loin d'être évident. Okay. Voilà ce que je veux dire avec ça. Et puis, évidemment, une démarche participative, pour pas... Mais ça, c'est un sujet très délicat depuis la création de l'informatique, pour pas que la question du numérique ne soit que la question des quelques collègues que ça intéresse. À l'intérieur desquels il y a forcément des spécialistes, mais je dirais la même chose pour le projet documentaire, pour le projet pastoral, etc., puisque c'est bien une affaire collective. Pilotage de l'établissement. J'aime bien ce qui est dit par le fameux DET, dont tout à l'heure je vous passais quelques éléments. Voilà ce qui est écrit dans ce document-là. Pour le directeur d'école ou le chef d'établissement, la mise en place d'un ENT fait partie de la stratégie de l'école ou de l'établissement. Cette démarche suppose une réflexion et des orientations éducatives qui définiront les services rendus pour chacun des utilisateurs, ainsi que leurs conditions de mise à disposition et de bons usages. Le volet TIC du projet, le redéploiement de l'ENT constitue l'occasion de repenser le volet TIC du projet d'école d'établissement, orienté vers les besoins de l'ensemble des usagers, avec une vision de l'école. Comme point d'application des politiques. Bon, là, il parle un peu pour l'État aussi, puisque c'est un service de l'État qui demande l'application de ces directives. Formation des enseignants puis, et des éducateurs au sens large. Accompagnement, on parle un peu pour nous, là, parce qu'il faut bien qu'on fasse un peu de pub. Et en particulier, dans l'accompagnement, il y a les compétences. Et dans les compétences, il y a les valeurs, les postures, les attitudes. Je ne suis pas de ceux qui vont réduire la compétence à un espèce de petit savoir-faire technique, bien évidemment. Et puis la question de comment on communique avec les parents et les partenaires. Parce que si il faut amener des mutations, elles ne vont pas être du jour au lendemain. On va les accompagner. Et pour avoir formé des parents à cette question-là, d'accord, dans un établissement extraordinairement élitiste, ils m'ont semblé intéressés quand même, quand on leur disait que la note était un peu... Voilà. Il se trouve que certains étaient notés par leur propre patron dans leur entreprise. Donc ils voyaient bien que des fois, c'était un peu délicat. Les profs vivant aussi la note administrative et pédagogique comme un peu des mystères quand même. Enfin, le mystère. N'oublions pas la référence juridique dans tout ça. Je ne voulais pas trop le développer. Mais rappelez-vous que dans la production de la CNIL... Pour les établissements du premier et du second degré, il y a une petite référence à la mise sur Internet des données relatives à un élève, dont les notes. Et il y a une fiche sur la communication des notes et des résultats des examens. Ça peut être intéressant, parce que ça peut être aussi régulateur, quelquefois, de ce tout numérique. De qui va voir? C'est une question qui s'est posée, par exemple, pour le cahier de texte des enseignants, quand les inspecteurs demandent d'y avoir accès. Sauf que quand on a accès... cahier de texte d'un enseignant, on peut avoir accès à l'établissement scolaire et à sa vie scolaire plus généralement. Donc là, on a un problème quand même des questions qui méritent d'être posées. Pour terminer, deux petites diapos, l'une d'une inspectrice générale honoraire et d'un chef d'établissement qui préparait le congrès
de l'AFAE. L'AFAE, c'est les administrateurs de l'éducation, en gros, où il y a des pistes que je trouve intéressantes, parce que je ne voulais pas vous laisser sans pistes. Le numérique permet enfin d'envisager à court terme de profonds changements. Le court terme me paraît un peu... Voilà. Nous pourrions voir des contrôles. L'inspecteur ne peut pas oublier le contrôle. Fait et refait. Jusqu'à preuve de la maîtrise escomptée. Collègue de philo à Paris, qui fait comme ça. Ses élèves reprennent leur copie, le renvoient, jusqu'à ce que l'enseignant et l'élève jugent que la copie est satisfaisante, et jusqu'à la bonne note. Ce qui met un traquenard complet, puisque du coup, les élèves n'ont plus que des bonnes notes. Et le prof refuse de mettre des notes tant que c'est pas fini. Donc, prof de philo, en série S, ça va peut-être, mais en série L, quand il faut calculer les moyennes, il y en a qui deviennent nerveux, quoi. Hein ? Nous pourrions voir se développer l'auto-évaluation des élèves, adossée à un portfolio numérique. Remarque ici, on a mis l'auto-évaluation avant le portfolio. Hein. Et le portfolio, c'est tout sauf le livret de compétences. Hein. Okay. Rassemblant les documents témoignant des acquis des élèves. D'accord. Puisque pour valider les acquis des élèves, on a plus besoin de preuves que d'épreuves. Hein. Ça, c'est de moi, ça. Nous pourrions mettre en accord nos objectifs en termes de compétences, les trucs un peu transversaux, là, pas bien clairs, avec nos modes d'évaluation et de certification. Des épreuves sur dossier pourraient prendre en compte des tâches menées en collaboration, j'allais dire là, avec recherche documentaire sur le web, traitement informatisé des données, mise en forme d'arguments, etc. Premier aspect. Et deuxième aspect, pourquoi on ne se servirait pas des notes, si elles existent encore, pour mieux piloter l'établissement scolaire ? C'est-à-dire, aujourd'hui, la facilité de collecte et de traitement des données chiffrées incite plus qu'avant à la comparaison. Il faut faire gaffe. Hein. Il est désormais aisé de comparer un élève à ses camarades de classe lors d'un conseil de classe assisté par ordinateur. Encore faut-il voir quelle est la nature de ces comparaisons. Hein. Il est assez aisé de comparer une classe à une autre, de comparer les échelles de notes des professeurs entre eux, de confronter leur système de notation avec celui des examens pour convaincre un enseignant qu'il est trop sévère ou au contraire trop laxiste. Je vous rappelle, c'est un inspecteur qui parle, général en plus. Donc il y a toujours un peu de pression et de contrôle. Hein. Les notions de projet d'école, de circonscription, etc., les données relatives. C'est-à-dire, on pourrait se servir de ces éléments-là pour avancer collectivement. Deuxième aspect. Parcours suivi des élèves dans le premier, pilotage collectif de l'évaluation dans le second. Et enfin, c'est ma dernière diapo. Je trouvais ça assez remarquable. C'est une épreuve qui a été donnée à des étudiants qui passent le CAPES de maths en plus, j'ai choisi ça volontairement, sur agir en fonctionnaire de l'État. Ils ont une petite problématique avec deux documents. Le deuxième document, c'est un extrait, c'est un texte du CEREC, hein, c'est le Centre d'études et de recherche des emplois et des qualifications, qui demande de réfléchir à l'évaluation et dont la conclusion est: ce constat n'est pas anodin dans la mesure où nous avons constaté que l'estime de soi scolaire influence de manière significative les résultats scolaires. Et la dernière phrase, il invite alors les enseignants à la plus grande prudence dans leur tâche quotidienne d'évaluation qui ne touche pas seulement l'élève, mais sa personne en tant que telle. Dans une épreuve de concours de maths au CAPES, bon, ça donne espoir, quoi, ça, je veux dire. Hein ? Et ça veut dire qu'il y a plein de monde qui se pose la question éducative, qui commence, et c'est mon point final, à émerger par des jeunes collègues actuellement, compétences, réflexions, discussions avec les élèves. On est en train de vivre une nouvelle génération d'enseignants qui continue à avoir la pression des programmes, oui, mais qui commence à verbalisation des démarches, auto-évaluation en classe, régulation. Ça reste modeste. La pression des notes ne diminue pas. Mais il commence à émerger un autre secteur où, c'est pas encore une masse critique, hein, mais un certain nombre d'enseignants nouveaux commencent à réfléchir autrement les choses. Malheureusement, pour l'instant, comme souvent dans l'éducation, c'est deux entrées complémentaires, mais pour les enseignants, souvent supplémentaires. Parce qu'il y a un gros système de gestion des notes.
Il y a un plus petit système d'évaluation. Il faudrait que la somme reste stable et qu'il y en a un qui croisse quand l'autre décroît. Pour que l'évaluation soit moins sociale et plus pédagogique. Merci Michel. Merci Michel de cette étude de cas très détaillée qui montre comment, et ça c'est très intéressant, hein, comment le numérique justement amplifie ou pas certaines problématiques ou en cache ou pas. Et en l'occurrence, il semble bien qu'en certains cas, le logiciel de gestion de notes cache les problématiques et que parfois on pourrait très bien de les retravailler. Y a-t-il peut-être. Vous excuserez mes raccourcis et puis non. Ça... Non, mais c'est pas. Peut-être y a-t-il. On va prendre une question. Voilà, il y a une question là, si vous voulez bien. Là encore, un exposé très intéressant, mais à mon sens, un peu en décalage par rapport au thème du colloque sur le numérique, cette problématique de la note d'évaluation, etc. On l'a discuté à fond dans des diverses réunions, etc., il y a 30 ans, ou 40 ans, quand j'ai commencé. On était à fond, toutes ces problématiques que vous avez développées, ces questions, etc., on était à fond. Le numérique là-dedans ne change pas fondamentalement les choses. Enfin, ça va amplifier, parce que les gens sont peut-être dit, c'est du numérique, donc maintenant ça devient scientifique, oui. D'où la note, c'est un truc scientifique, mais c'est assez vite balayé quand même. Moi, j'ai une question sur la note. Ah, non, mais... Je l'entends, mais c'est à mon sens un peu hors propos par rapport au thème du colloque. C'est un point de vue. Ma question à moi étant comment le numérique a pu rater dans son introduction la provocation d'une évolution majeure dans ce domaine. Comment ? Et comment, alors que c'était une des trois priorités des premiers rapports, comment la gestion informatisée des parcours d'élèves a pu être totalement oubliée ? Totalement oubliée. Alors qu'elle donnait naturellement, évidemment, des logiciels faciles à faire, puisqu'ils étaient comptables. Comment des gens ont pu penser qu'une note était une mesure ? Comment ? Alors que c'est qu'un repère. Comment des personnes, souvent scientifiques en plus, ayant fabriqué ces logiciels, ont pu passer à travers ? C'est une grande question. Probablement parce que la dimension éducative de la conscience a été totalement ignorée. Et que les compétences de ces gens-là, je vais le dire, j'y étais dedans, étaient par trop modeste, parce qu'il ne voyait pas l'évaluation comme un élément déterminant de l'acte d'apprendre et de la construction de l'élève. Votre question, quelque part, m'inquiète, d'une certaine manière. Parce qu'effectivement, on a, depuis 30 ans, mis cette question de la gestion informatisée en dehors de ce problème-là, bien sûr, totalement, alors qu'elle a une influence colossale. Et que dans la pratique des familles, ça a tout changé, quoi. Le nombre de personnes, le nombre de parents qui, dans la journée, avec leur smartphone, vont voir le logiciel École Directe et tout, parce que leur gamin l'a dit qu'on rendait les copies aujourd'hui, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Vous-même, peut-être, quand vous avez des enfants. Et si je veux le connecter, mais bon, moi, j'ai répondu aussi à une demande ici, le problème est effectivement comment tout ce secteur-là a pu échapper à ce sujet. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tablettes, AEAO et tout ça, mais et ça. Alors j'ai pris qu'un exemple sur les notes, hein, on est bien d'accord. Parce que, à nouveau, chaque année, je me dis, moi, quand je vois, fait 20 ans que je vois passer des stagiaires, je me dis, tout ce qu'on sait depuis 20 ans sur l'évaluation, on va quand même petit à petit arriver à l'intégrer, quoi. Eh ben non. Pour moi, c'est un vrai mystère, quoi. Alors si. À la marge, certains, d'ailleurs, qui font caution, bon, que ce soit des personnes anti-bi, machin, mais ils font caution au système pour dire que ça interroge le système. Mais fondamentalement, les gens n'ont pas bougé, quoi. Enfin, que l'institution a beaucoup de mal à avancer. Même si ici, il y a des établissements qui ont sans doute fait des progrès fantastiques. Mais le premier geste professionnel
effectué par l'ensemble de mes profs stagiaires, j'en ai 250, c'est de tous avoir mis une note. Voilà. Fin septembre, tout le monde a mis des notes. Fin septembre, tout le monde n'a pas eu de réunion de profs. Loin de là. Loin de là. Alors, ou alors, c'est effectivement, comme vous dites, c'est un sujet qui... Le jeu n'en vaut pas la chandelle, ça ne vaut pas le coup, quoi. Ça va bien. Les conseils de classe, je ne l'ai pas développé tout à l'heure, avec les moyennes, tout est rempli. Alors qu'on sait que l'élève passe, quoi. Il y a quelque chose qui m'apparaît, mais c'est peut-être ma dimension militante, comme... je sais pas, je comprends pas. Bon, je comprends pas l'écart qui se traduit par une activité des enseignants colossale. Hein. Les gens, si les jeunes corrigent des copies pendant que je fais de la formation, c'est un, parce que ma formation est inintéressante, mais c'est deux, c'est parce qu'ils sont en retard. Quoi. Ils sont en retard. Donc, il y a... Alors bon, pour moi, il y a un vrai sujet. Je saisis pas. Je pense que nos institutions ont sous-estimé cette dimension-là. Et moi, j'avais plutôt l'impression d'être au cœur du sujet. Mais... Voilà. Non, mais je le... Non, mais c'est une discussion à avoir, de toute façon. Mais bon, voilà. Oui, une autre question. Je voulais juste revenir tout à l'heure, vous aviez dit en flagrant que les parents n'allaient pas du tout sur les notes. C'est vrai. Mais c'est aussi par volonté. Oui, oui. Pour éviter tout le à fait. Piège. Tout à fait. Voilà. Le cycle de collège, voilà. C'est une des dérives de tout à fait. De numérique et de... C'est la vraie question éducative de fond. Alors, je n'ai pas eu le temps de la dépasser, mais vous l'avez vu de manière implicite, évidemment. Et là, les jeunes sont assez sensibles à ça. Même si parents, enfin voilà, on a les questions. Bien sûr, bien sûr. Il y a effectivement des familles. Peut-être qu'il faudrait du coup en parler aux familles de cette. Et en particulier du différentiel entre le moment où on inscrit la note et le moment où elle est visible par les familles. Je pense que là, il y a des... c'est des petites pratiques. Mais j'ai l'habitude, moi, de partir de ces petites pratiques parce qu'il me semble qu'elles sont souvent lourdes de sens, mais qu'il n'est pas sûr que les personnes aient imaginé ce sens-là au départ, quoi. C'est-à-dire que ces pratiques, des fois, nous rendent service et on a un peu gommé, quelquefois, au nom de quoi elles étaient mises en œuvre, quoi. La pertinence, quoi. Hein ? Et pour ces questions-là, la pertinence et l'efficacité, les deux se posent quand même. Sur les 7 exemples de logiciels, on pourrait poser la même chose hein, pour les absences, pour d'autres choses. Hein. Je n'ai pris là, je vous dis bien, qu'une étude de cas particulièrement éducative, qui est celle du regard porté sur l'élève à travers l'évaluation. Voilà. Bien, merci Michel. Voilà. Je suis gardien du temps.